Osez l'avenir, c'est votre nouveau magazine de l'innovation que vous pourrez retrouver chaque semaine sur le web et chaque jour à la radio sur Atlantique Radio. Romain Valafraisse, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au Technopark. Un plaisir, merci. Alors, un sénateur américain avait dit une fois que innover, c'était la capacité de transformer des idées en factures. Alors vous, l'innovation, si vous deviez nous donner une définition, quelle serait-elle ? Innovation, ne pas se satisfaire de l'existant. Moi, c'est ça pour moi, c'est ne pas se satisfaire de l'existant et oser changer les choses même quand elles semblent acquises ou naturelles. C'est ça pour moi, innover. Et si je place dans le cadre Technopark, je suis entouré d'innovants, j'ai la chance depuis maintenant 8 ans d'être entouré d'innovants. Les entrepreneurs du Technopark sont pour la plupart vraiment, à mon sens, des innovants. L'innovation est au cœur de la stratégie de développement de l'université. Elle est fortement développée au niveau de tous les niveaux de formation, au niveau des écoles d'ingénieurs et tout particulièrement au niveau des études doctorales et au niveau des laboratoires de recherche avec les chercheurs. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'à travers la recherche, développement et l'innovation, accompagner le développement du Maroc industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, mais également attirer des entreprises internationales qui souhaitent aujourd'hui travailler avec les universités marocaines. On passe dans un autre registre qui est le design, la créativité, l'esthétique, tout ça. Dans quel sens est-ce que l'innovation peut être... Enfin, dans quel sens le design peut être au service de l'innovation ? Déjà, merci pour l'invitation. Le design, c'est le moteur de l'innovation. Voilà, donc tout ce qu'on fait. Donc, déjà, le design dans la tête des gens, d'une manière globale, c'est un peu flou. Mm-hmm. On l'apparente trop à l'artisanat, trop à la décoration. Or, déjà, le design est un domaine stratégique. Il est en amont de la réflexion des entreprises, des prises de décision, ce qu'on appelle le design thinking. Il est influé dans le système de management des entreprises. C'est ce qu'on appelle design management. Il y a différents types de design. C'est en amont qu'on pense le design. C'est comment le design, on va l'appréhender, quelle utilité on va lui donner et comment il va s'intégrer dans, si c'est un téléphone, comment ce téléphone va révolutionner l'utilisateur. IBM et l'innovation, c'est quand même quelque chose qui doit aller de pair. Lorsqu'on voit les photos qu'il y a derrière vous, aujourd'hui, comment s'est construit l'avenir d'IBM à travers l'innovation ? Justement, IBM, sa stratégie, elle est vraiment, l'innovation est au cœur de sa stratégie. IBM a été créé en 1911, à Endicott, dans l'État de New York. Et depuis, IBM a décidé de choisir à faire des investissements assez importants en termes de recherche et développement. C'est une vraie innovation. Comment transformer des huiles usagées en quoi ? En biocarburant, donc un biocarburant équivalent au diesel qui permet de baisser les émissions de CO2 de 88%. Quel type d'huile déjà qu'on récupère ? Nous sommes concentrés sur les huiles alimentaires. Donc c'est principalement des huiles de friture, quelle que soit leur nature, donc des huiles de soja ou de palme, quelle que soit l'utilisation qui a été faite, nous on est capable de les retransformer en biocarburant. Ce qui nous intéresse dans cette émission, tu le sais Zakaria, c'est comment mettre en valeur l'innovation, comment encourager l'innovation et surtout comment aujourd'hui, avec cet événement que tu présides, le Hub Africa, on arrive à faire mousser cette innovation au stade africain. Je pense que la première chose qu'on a voulu faire sur la forme, c'est qu'on ne pouvait pas être aujourd'hui un hub sur le continent sans les entrepreneurs. Et Hub Africa, modestement, se veut aujourd'hui l'écosystème des entrepreneurs et des investisseurs. Et si on veut faire émerger donc ces talents, il fallait leur donner un cadre. Donc on a lancé le premier hackathon panafricain, toujours en se mettant en réseau des réseaux avec Startup Initiative, avec d'autres acteurs qui sont sur la thématique de l'innovation. Et bien ça, c'est vous, c'est marocain, c'est une innovation la marocaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né Magnav et ce petit appareil qu'on a demandé ? Voilà, donc Magnav est né il y a à peu près 2 ans de ça. L'idée était d'apporter une réponse à des demandes que nous avions au niveau de l'industrie automobile, sachant que je dirige également une entreprise marocaine du nom de Navcities, qui est une entreprise de production de bases de données cartographiques. C'est les cartes qui alimentent les GPS. Absolument, c'est une entreprise marocaine, on est fournisseur de contenu, on met à jour constamment ce contenu avec des opérateurs sur le terrain. Voilà, et donc cette...
cette évolution, je dirais, naturelle vers ce produit a été dans un besoin de fournir l'industrie automobile avec des produits bardés de technologie. Quant à moi, moi j'ai trouvé une manip dans ma voiture. Alors je te montre ça tout de suite. Alors, il faut aller là. D'accord. Et puis après, on va là-dedans. Et puis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais ça fait 6 ans comme boss, tu peux pas me faire ça aujourd'hui. Non, coupez. C'est un cendrier. Ouais. C'est un des malbars, si ça le dit. Faut réfléchir en amont et je pense qu'à mon avis, il faudrait que tu reviennes faire de la radio. C'est vachement bien, vous êtes fiers de ça? Absolument. En plus, c'est une création originale pour Africa. Ça coûte cher? C'est de l'or, ça? C'est de l'or. Ok, ben. Merci. Mais rattrape-le! Ok. Et voilà, j'ai mis du biocarburant dans ma voiture et ça fonctionne, du carburant fabriqué à partir d'huile de friture. Le kilo ديال الشفن راه واجد راه في لابوطاغو ما تنساش لي فريت ونقص شويه من اللي دام. Alors le ikharchouf je l'ai pas trouvé et le ipoireau c'est pas encore au point. Merci.